parti travailliste, non seulement nous peut faire une critique, mais première question, c'est votre demande au gouvernement. Régler les règlements concernant United Nations Convention Law of the Sea. Faire sûr et certain qu'aucun bateau pas capable de rentrer dans nos territoriaux, c'est et l'Ibsen reste en dehors, c'est ce qu'on appelle dans sa contiguous zone. Et donne les moyens et les facilités à National Coast Guard pour les capables d'être effectifs. Parce qu'à la lumière, ce qui vient d'arriver à Ouakachou, nous tout concerne. Et arrête de faire ça, pays-là, vient une plaque tournante de la drogue. Maurice n'est pas capable d'avoir une réputation, l'Obanais 10, comme le pays côté n'a plus beaucoup de victimes et côté la drogue, le problème de la drogue n'est pas prolifère à une vitesse foudroyante. Comme ça, nous devons agir et nous devons sensibiliser tout le monde. Et tout le monde devons ensemble dans la lutte contre sa fléau la drogue, indépendamment de qui gouvernement fait ou pas fait, et nous connaissons très bien proximité qui est entre ses proches et le pouvoir. Donc, une passe en revue le problème de la drogue, les conséquences, les méfaits de ce problème et le blanchissement de l'argent. Et moi, ce qui inquiète moi, c'est un faux signal qui nous peut envoyer et qui nous peut envoyer à l'Union européenne. Et la façon les choses peuvent dérouler, me trouve difficile pour nous sortir de la liste noire de l'Union européenne et la liste grise des Financial Action Task Force.